Salut tout le monde, ça c'est l'éponge. Je vous remercie d'avoir suivi ma chaîne. On se retrouve sur GTA 5 pour vous montrer mes garages. Mais avant, je vais d'abord tourner la roue de la fortune. Là, je suis dans la suite du casino. D'abord, après, je vais vous montrer, après que je tourne la roue, je vais vous montrer le garage du casino avec les voitures ou tous les agents que j'ai gagnés dans le casino. Ah, ça a déjà changé, je suis arrivé trop tard. Ah non, j'aurais bien voulu. Mais bon, quoique celle-là, si je la gagne, c'est déjà pas mal. Ah non, ouais, mais du coup, j'ai pas pu acheter l'autre en réduction, mais c'est pas grave. Bon, on va voir si je vais gagner. Allez, on tourne la roue. Et quel chance j'ai aujourd'hui? Ah, j'ai tourné trop fort. J'ai tourné trop fort encore, mais bon. Je sais que j'ai... Ouais, voilà. Ah, j'ai gagné quand même 20 000. Ok, c'est cool, c'est pas mal. Voilà. Bon, je vais voir de plus près cette voiture d'abord avant de partir. Ouais, elle est pas mal, hein. Elle est vraiment pas mal à cette forme là. C'est une voiture à 5 places, 5 portes. Ok, bon. Maintenant, je vais vous montrer mes garages. Je suis dans le garage du casino. Donc là, tous les voitures qui sont là, je les ai gagnées. Ça, c'est non, c'est pas la dernière, c'était l'avant-dernière. Je vous présente vite fait parce que j'en ai d'autres garages à vous présenter. Bon, le garage que je vais vous présenter, c'est les voitures pour lesquelles que j'ai gratuit ou j'ai acheté. Quand même, j'ai pas mal gagné, hein. Vous avez vu, le parking, il est plein, il est presque plein. Il ne reste plus que deux places. Ouais, deux places. Ouais, j'ai gagné des jolies voitures quand même, qui sont chères et d'autres pas chères. Bon, ça, celui-là, je n'ai pas gagné sous la roue de la fortune, mais avec les missions, je pense que tout le monde qui a fait des missions du casino, ils l'ont eu tous comme cadeau. Mais là, j'ai customé. Ah, ça donne ça. C'est du Paragon. Et là, c'est du Paragon R blindé. Voilà, maintenant, on se retrouve sur d'autres garages. Nous voici dans le garage deuxième sous-sol de la boîte de nuit. Bon, il n'y a pas toutes les voitures qui sont là, mais c'est des voitures que quand même j'ai customées. Parce qu'il y a certains qui sont gratuits, des voitures que j'ai gratuitement et j'ai les customées. Et il y a d'autres comme le Kuruma blindé. Ah, je l'ai acheté, puis customé, puis celle-là aussi. Et voilà les fameux ions de ma dernière vidéo. Alors ici, nous sommes dans le garage de Rockford Hill. Bon, j'ai le projet de mettre des voitures à 100, voire 250 000. Mais bon, à part celle-là qui est gratos, je l'ai gratos avec la promotion. Sinon, ici, ouais, j'avais un projet pour mettre des voitures à 100, voire 250 000. Bas de gamme, on va dire, enfin milieu de gamme. Donc du coup, pour l'instant, il n'y a que ça. J'ai pas, il y a Coquette, il y a le Barbosa, il y a aussi, il y a Coquette qui est là, il y a aussi la Carbonizar. Moi, je dis toujours Carbosa. Et ici, il y a la Vaca. Et voilà, c'est là, c'est BF Raptor. Il y a une nouvelle maintenant qui vient de sortir, mais j'ai pas encore acheté. Alors ici, je suis dans la rue de Rita, enfin dans l'allée de Ritage E, le garage vraiment du bas de gamme. Hein. C'est un truc que j'ai mis en place. Évidemment, toutes ces voitures, elles sont achetées, mais voilà, c'est un petit plaisir à moi par ici. De temps en temps, quand j'ai envie de me défouler ou alors faire des courses
avec des voitures qui sont pas très rapides. Alors je viens ici, donc voilà. La dernière fois, je pense que je vous ai déjà fait une vidéo de celle-là. Bon, nous sommes à Del Piero, mais vous avez vu comme moi, les voitures ne sont pas customisées. Vous avez sans doute remarqué que toutes les voitures, elles sont gratuites, mais pourquoi pas, hein, c'est une collection pour moi. J'ai fait exprès de les laisser comme ça, de ne pas customiser. Mais je pense que ces deux-là, je crois que j'ai déjà eu, mais ouais, je l'ai déjà customisé. Celui-là en deux exemplaires. Et celle-là, ben, une seule, tout à l'heure que je vous ai montré. Mais par contre, en décapotable, ouais, j'aimerais bien customiser un jour. Voir. Pour ceux ou celles qui ont regardé le début de la vidéo, bah, ils se sont dit, hey, la queue des voitures pourries et tout. Mais là, je vous montre, pour ceux qui sont arrivés jusqu'à là, je vous montre les voitures qui sont le plus chères dans le marché de Legendary. Hop, là, c'est le premier étage. Maintenant, je vais monter deuxième étage, je vais vous montrer un petit peu les idées que ça donne. Mais de toute façon, les gens qui regardent mes vidéos, je pense que vous avez déjà vu, hein, la plupart de ces voitures qui sont là. Le plus souvent, je suis dans mes débuts de vidéos, je suis dans ce garage. Voilà, je vous montre en grosso modo. Mais bon, après, il y a certaines voitures qui sont pas customées visuellement, mais à l'intérieur, elles sont déjà customées. Donc, je fais exprès de laisser l'état d'origine. Hein, je trouve ça plus stylé. Sauf plus tard, peut-être, pourquoi pas, le Lixo, je vais changer de couleur. Je vais voir les autres ici, en hauteur. Bah, ici, bah, sur le dernier, il manque, allez, on va dire, normalement, il y en a 6 en tout, je sais plus. Attendez, il y en a 2, 4, ouais, voilà, il y en a 6 en tout. Ah, il manque plus qu'une voiture pour la dernière place et ce sera bon pour cet étage. Après, bah, j'entamerai deuxième étage, ensuite suite. Alors ici, c'est pour les motos, comme vous avez remarqué. Bon, les motos, j'ai pas acheté beaucoup cher. Hein, j'ai MK2 et après, bah, il y a aussi. Il n'y a que Nagase Sotara, Sato, Sotaro. Il n'y a que ça qui coûte plus cher. Sinon, le reste, c'est bas de gamme. Mais bon, après, ça reste des motos. Hein. Je suis fan des motos. Bah, des motos comme ça, j'aime bien. Et ça aussi, comme Suzuki, j'aime bien. Et puis, ce qui est indispensable maintenant, c'est la MK2. Hein. Comme vous avez remarqué, nous sommes dans le garage de Complexe. Enfin, j'ai l'Avengers qui est complètement customé. Et je vais monter à l'étage. Voilà, j'ai presque toutes les voitures. Enfin, presque. Il manque encore pas mal. Mais j'ai quand même de quoi se défouler, quoi. Et puis ouais, j'ai tout customé sauf l'oppressor. J'utilise pas beaucoup cet oppressor là, je sais pas pourquoi, mais ça, je sais pas. Sinon il y a c'est ouais, j'ai presque tout, quoi. J'ai presque tous les anciens, on va dire mais quand je dis presque tout, en fait on sait tous qu'il y en a encore beaucoup, hein, de voitures armées qui manquent. Bah, quand vous regardez mon garage, bah, j'ai dépensé pas mal d'argent quand même pour les avoir et puis pour les améliorer. Et surtout que des voitures comme ça, bah, il faut faire beaucoup de missions. Voilà, je suis dans le hangar. Et ce sera le dernier garage que je vous montre pour aujourd'hui. En tout cas, j'en ai d'autres garages, mais pour l'instant, ils sont vides. J'espère bientôt de faire d'autres vidéos comme celle-là. Voilà mes amis, j'espère que vous avez passé un très bon moment en regardant cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur like, de faire partager. Toi qui n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner, d'appuyer sur la petite cloche bien sûr. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo mes amis. Ciao, ciao!